Bienvenue, je suis Nyanyako, la représentante officielle du Making of The Dream de Edmond. Je vais vous guider dans sa chambre. Je peux également prendre des poses de star si on me le demande. Regardez, je suis formidable. Ce clip a donc été entièrement réalisé, monté dans cette chambre. Mais les scènes ont été tournées à Tokyo et également à Paris. Excusez-moi, je reprends mes esprits. Pour quelques scènes. Puisque c'est un rêve donc que tout se mélange entre Tokyo et Paris. Clip est donc un savant mélange entre rêve et réalité, Tokyo et Paris, mes chaussures et mes talons. On pourrait bien entendu se demander le rapport entre les chaussures et mes talons, Paris et Tokyo, le rêve et la réalité, mais il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas du tout. Vous m'entendez? Il n'y en a pas. Pas du tout. Mais évidemment, on pourrait y voir également une sorte d'imagerie ancestrale. Des choses dont on parle, qui sont formidables, vous comprenez? Ils nous invitent à l'éveil, à la magie, à toutes ces choses formidables dont la société actuelle veut nous bannir, toutes ces choses merveilleuses qui nous font tourner comme des manèges. Les boîtes de nuit, les boules à facettes, les bikinis, surtout les bikinis. Ce clip a donc été réalisé en partie dans l'ouest de Tokyo, dans le petit quartier de Daitabashi. Regardez, regarde le train. Alors voilà, là il marche, vous voyez toutes les lumières de Daitabashi, c'est formidable. Et ici il dort. Alors regardez ici son collier, vous voyez son collier, il est très très beau son collier, mais tout le monde le déteste. C'est très très joli pourtant. Alors évidemment, je pourrais vous dire, ce clip est la meilleure production que j'aurais pu voir jusqu'à l'instant, mais en fait c'est vraiment très très mal fait. En plus on voit les doigts de la personne qui m'anime. Mais c'est pas grave, je bouge les mains. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain making of du prochain clip. À bientôt.